Bonjour, je m'appelle Gilles, j'ai 30 ans, je suis outre-lois et je viens vous parler de mon expérience de volontaire avec le Corps européen de solidarité. Alors je suis parti 11 mois en Géorgie car j'ai rencontré Mary qui était volontaire au centre social éclaté de Saint-Martin. Elle m'a expliqué que sa structure d'envoi en Géorgie recherchait des volontaires et donc du coup elle m'a mis en relation avec eux. J'ai contacté l'association Hors Piste qui est basée à Marseille et par la suite je suis parti en Géorgie. Donc ma structure d'accueil était le centre international de scouts de Rustavie et mes missions là-bas étaient de trouver des partenaires européens pour monter des projets d'échange de jeunes. Mon intégration s'est très bien passée, j'ai eu la chance d'être dans une association qui accueillait déjà des volontaires français, donc ils m'ont permis de m'aider dans mon intégration, de m'expliquer comment ça allait se dérouler. Ensuite, mon association mettait en place des suivis avec un tuteur géorgien pour m'aider dans tout ce qui est démarches administratives et démarches quotidiennes. À mon arrivée, ça a été un petit peu compliqué parce que le géorgien, c'est pas une langue que je parle et c'est une langue qui est quand même très compliquée. Mais comme j'ai quelques bases en anglais, ça a été facile pour discuter avec les autres volontaires d'autres pays. Après, j'ai eu des cours sur place qui m'ont permis de progresser dans mon anglais ainsi que mon géorgien. Alors, mon budget sur place était de 175 euros par mois pour l'alimentation et l'argent de poche, donc ce qui équivaut à un peu plus de 550 lari par mois. Donc c'était suffisant pour manger et avoir des loisirs à côté. Par contre, il faut prévoir un petit pécule pour le côté santé parce que Signa n'avance pas les frais. Donc il faut avancer l'argent et se faire rembourser. Mais à part ça, c'était très bien. Ça m'a permis de me découvrir davantage, de développer mes compétences d'adaptation. Ça m'a permis également, au niveau professionnel, de me conforter dans mes choix, puisque je travaille dans l'animation sociale. Et donc aujourd'hui, j'aimerais pouvoir mettre cette expérience de mobilité à profit pour d'autres personnes et travailler justement sur des projets de mobilité. Alors oui, effectivement, je recommande à 100% le programme du Corps européen de solidarité à d'autres personnes. C'est une expérience incroyable.